Et voici un nouvel épisode des Aventuriers du Survivor. Épisode 2, l'équipage. Dans l'épisode précédent, le capitaine Blueton rend visite à l'amiral MacGregor en compagnie de son assistant, le sergent Johnson. MacGregor leur apprend que la Terre est aux mains des Kryganites et que nos deux héros sont affectés à une mission de la plus haute importance dont dépendra certainement l'avenir de l'humanité. Pour mener à bien cette mission, ils sont affectés à l'un des vaisseaux les plus miteux de toute la flotte du consortium, le NHL Survivor. L'amiral les emmène alors vers le spatioport. Votre mission consiste à vous rendre sur Mulyari, 12e planète du système Glontrun, à l'autre bout de la galaxie. Là-bas se trouve l'unique gisement d'hilarium lourd dont nous avons le plus grand besoin pour faire fonctionner notre arme secrète. Votre route sera parsemée d'embûches, mais vous aurez avec vous les meilleurs éléments de la flotte du consortium. Mais pourquoi passe-t-on par tous ces endroits pour arriver jusqu'au spatioport? Je ne sais pas. Encore une facétie de l'ingénieur. Ne vous laissez pas distraire. Nous sommes presque arrivés. Et voilà, capitaine Blueton, je vous présente votre nouvel équipage. Bonjour! Mais c'est Sabrovitch, capitaine. Oh non, pas Sabrovitch. Le lieutenant Sabrovitch. À vos ordres, capitaine. Très heureuse de travailler à nouveau avec vous. C'est ça, oui, très heureux. Et merde. Le caporal Eagle, notre meilleur pilote. Hurry à plonger, capitaine. Le caporal Eagle a longtemps servi dans le consortium comme pilote au service du capitaine Dickinson. Dickinson, mais ce n'est pas le capitaine qui a été jugé en cour martiale pour avoir vendu des ogives spatio-anthropiques aux Kryganites? Celui qui est mort après avoir fait exploser son vaisseau et irradier tout son équipage? Ah non, Johnson, ce Dickinson-là commandait un sous-marin. On va quand même pas se récupérer à un pilote de... Un pilote de sous-marin! Poursuivons les présentations. Voici Hans, votre nouveau machiniste. Avec lui, vous ne risquez pas de tomber en panne. À vos ordres, capitaine! Prêt à affronter l'ennemi! Amiral, vous voulez dire que sans lui, on peut tomber en panne? Ou encore que si le vaisseau était déjà en panne, on ne risquerait pas d'être plus en panne? Allons, ses états de service sont excellents, il connaît tout du Survivor. Et pour cause, c'est lui qui en a la charge depuis sa sortie de l'Académie de Technologie, l'année dernière. Il n'y a pas un poulon de ce navire qui me soit inconnu, capitaine! Quoi? Vous l'avez démonté entièrement? Un poulon? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous pouvez le voir, il est remonté maintenant. Oh mon dieu! J'ai mis de bol, moi! Dans certaines des contrées inconnues que vous allez traverser, vous aurez sans doute besoin d'un traducteur universel. C'est pourquoi nous vous dotons du dernier cri en matière de droïde traducteur. Un D6-R27-H59P. Il a aussi d'autres fonctionnalités. Il peut servir de radio FM, de yaourtière, et il clignote et il flotte dans l'eau. Pratique dans l'espace. Et quand on sera en panne de clignotant? Ça ira, Johnson. Magnifique, mais il y a quand même un problème, amiral. On ne comprend rien à ce qu'il dit. Oui, un petit problème de conception. Nous avons prévu un traducteur binaire français. Ça sera le rôle de l'extraterrestre. Bonjour, capitaine. Il n'a pas de nom? Si, capitaine, mais il est imprononçable. Sans blague. Dites toujours des fois qu'on y arrive. Je ne pense pas, capitaine. On est quand même pas si con, ouais. L'autre, j'hallucine. N'est-ce pas, capitaine? Je m'appelle... En même temps, il vous avait prévenu, capitaine. Ça ira, Johnson, c'est tout à fait prononçable, n'est-ce pas? Je t'en rafafu une de peu. La fafriche, ça fait un preuve. Enfin, c'est dans ce genre-là, non? Plus exactement. Capitaine. C'est ce que j'ai dit. C'est fini? Pardon. Alors, si j'ai bien compris, machin sera le traducteur pour le traducteur. Absolument, capitaine Blueton. Le duo de traduction idéal. Ne m'appelez pas machin, s'il vous plaît. J'ai un nom. Pratique. Un traducteur de traducteur. Et surtout, simple. Il dit qu'il est très honoré d'être votre traducteur de capitaine, et il a l'espoir d'avoir un grand chiffre de l'expérience du positif en traversant cette mission. Quoi? C'est ce qu'il a dit? Mais c'est du petit nègre! Qu'est-ce que c'est que ce traducteur de merde? Désolé, capitaine, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Magnifique! Allons, capitaine, c'est tout de même le fleuron de notre technologie. Un D6-R27-H59P. Un peu de respect! Pardonnez mon emportement, amiral, mais j'aime autant aller au marché aux droïdes demain et acheter un vrai traducteur, quitte à le payer de ma poche. Impossible, capitaine Blueton. Vous devez être parti dans une heure. L'ennemi n'est plus très loin maintenant. Plus le temps de chipoter. Mais le premier samedi du mois... Voici le badge d'accès au vaisseau.
Il faut appuyer sur le bouton rouge pour ouvrir. Apparemment, ça ne s'ouvre pas. Attendez, ça arrive, il faut appuyer plusieurs fois. Voilà. Ah, oh mon Dieu, cette vieille poubelle tombe en ruine. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Bonne route. J'espère que vous nous ramènerez l'hydarium lourd nécessaire à la libération de notre planète. Je dois vous laisser maintenant. On est le premier samedi du mois, j'ai une foule de dossiers importants dont je dois m'occuper. Vous êtes des héros. Bon, en route.